Salut à tous, c'est Troinkan, le héros du vent, ce coup-ci, avec le petit stuff de Wind Waker. Alors, il faut qu'on aille... Donc, on était à Elimis. Elimis. Comment ça s'appelle? Elimis. Avec, rappelez-vous, hein, Monsieur Torres qui a bugué dans des escaliers. Et qui sera maintenant ici à jamais. Hein. Alors, il faut qu'on aille donc à un endroit là-bas. Il faut qu'on aille ici. Chercher une torche. Et qu'on ramène le feu eh bien là où nous sommes. Y a rien à casser ici? Non. Pour ce faire, il va falloir qu'il arrête de pleuvoir. Déjà. Et ensuite, il faudra eh bien ramener la torche au fur et à mesure. Il y a des... comment ça s'appelle? Des foyers, on pourrait dire, hein, pour foutre le feu. Qui permettront de... si on perd notre flamme, de pouvoir la récupérer plus près, en fait. Voilà, il faut quand même attendre que la pluie passe, malheureusement. J'ai donc équipé, voilà, une torche hein, que j'ai chopée dans le labo. Les chants avec les épouvantails, ça me rappelle la marche de l'Ouest dans World of Warcraft. Pour ceux qui ont vu les lives. Ah. Le périphérique de capture qui déconne un petit peu. Tout va bien se passer. J'espère. J'espère. Si ça déconne, je vais être un peu saoulé. Voilà, parce que vous voyez, la pluie, c'est quand même un petit peu vénère. Donc il faut attendre que la pluie s'en aille, c'est chiant. Si j'avais eu un feu de camp, j'aurais pu attendre une heure ou deux. Là, il faut attendre. Parce que j'ai pas de feu de camp. Voilà, Zelda, trop bien. Donc on va se faire chier. Enfin moi je vais me faire chier parce que vous je vais faire une ellipse évidemment. Parce que je suis gentil. Ah bah quand même. Donc... Alors faire attention parce qu'il y a du vent aussi. Alors voilà quoi. Voilà, dans les bras zéro. Alors on peut évidemment lancer la torche pour... Ok. Sinon on peut utiliser les flèches évidemment. Pas encore ça. Mais c'est tout à fait faisable. Hein. C'est juste un peu difficile de trouver le bon truc. Alors que ça va vachement plus vite. Voilà. Où est le prochain? Là. J'ai peut-être raté. Oui, j'ai raté. Je l'ai eu. Trop fort.
attention, j'ai 8000 flèches. Et mon arc va bientôt se briser. Attention, il y a du vent. On peut cramer les pommes avec la torche aussi. On peut faire basiquement tout ce qu'on pouvait faire à la base. Avec du feu. Voilà, foutre le feu à l'arbre. Alors je sais, c'est passionnant. On s'éclate à la queue leu-leu. Allumer des torches, hein, Zelda. Pas trop de vent, s'il te plaît, pas trop de vent. T'éteins pas juste quand j'arrive, ça va être chiant. Ok. On est quasiment arrivé. Tout ça pour que l'autre, elle veuille bien nous parler, en gros. Parce que, voilà, son truc, il marche pas. C'est l'espèce de fourneau, là. En gros, c'est le générateur, hein. Le laboratoire antique d'Elimis a été reconnu comme pôle de téléportation. Eh bah tiens! J'espère que j'ai tué quelqu'un. Ouais, c'est pas bon, soldat. Je me rappelle évidemment plus de sa voix. Hein. Coucou toi! Elim, t'es trop fort, regarde par là! Regarde, regarde! La pierre guide s'est mise en marche! S'est mise en marche! Enfin, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Ma petite pierre guide chérie. Mon adorable pierre guide. Elle vit. It's alive. Le moment tant attendu est arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette Shaika. Il va falloir me faire un magnifique Ouistiti, je t'écoute. Ouistiti. Super méga trop bien. C'est parti pour qui resteront ta tablette Shaika. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Ils sont tellement trop enthousiastes, les PNJ dans Zelda. Tablette Shaika reconnue. Confirmation des modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Album les boutiques. Initialisation de la phase de restauration. L'appareil photo affiche une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. À chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, une entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Ah. Voilà l'encyclopédie, hein. Restauration terminée. Yeah, c'est ultra génial! Alors, tout s'est bien réactivé? Bon, alors voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie d'Hyrule, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Surtout, montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Ouais, ce sera super drôle. Alors, on peut prendre des selfies, hein. Alors, bon, on s'en fout, vas-y. Pelu là.
Mais c'est dit. Ah yeah, t'as pris une photo de moi avec l'appareil photo. J'espère pour toi que je suis joli dessus. Ah ouais, c'est bon. Super. Allez, montre, montre. Hein? C'est qui ce canon? Ouah, c'est moi. Désolé, ça m'a un peu surpris. Mais genre... Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de la... C'est une grosse hipster, la princesse Zelda, en vrai. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein? Bah, ça veut pas dire que je la suivais partout non plus, quoi. Ah, j'oublie un tout petit détail, un point important. Tu as perdu la mémoire. Eh, mais... Si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, ta mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en par... Impa! Eh bien, mais renseigné que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu as rendu ta Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourrais les apporter à moi ou à Pharas, au laboratoire antique d'Akala. Akala Memiam. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, chalut. Ok. Eh bah, ok. Non, je veux la carte. Alors, Cocorico. Cocorico, c'était où déjà? Ah mais c'était là. Ah, le sentier de Taroni. Taronihi, d'ailleurs. Tout ça pour aller voir Mamie Chiffon Impa. D'ailleurs, ah, tu as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes de triomphe. Ah. Alors je veux un cœur de plus. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Ah, c'est bien gentil, madame. Andrasté. Je dirais quand même Andrasté, elle a une... Elle va manger des spaghettis bolognaises, elle a mis la serviette autour du cou. Elle a un bavoir. Voilà, 5 heures. Ouh. Trop trop génial. Impa! J'avais entendu dire que Prua t'avait mené la vie dure. Ça y va vite les news par ici. Parce que genre, je viens juste de me téléporter de chez elle, quoi. Mais tu n'as pas l'air si mal en point. Voyons voir, montre-moi ça. Oh, oh. C'est Pilaf. Oh. Ah, mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Il y a la date sur la photo. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Après tout, on sait pas, hein. Il faut que tu les trouves. La logique. Reviens voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Ok. Alors d'abord, où est la boutique de vêtements? C'est l'auberge. Ça on s'en fout, boutique d'objets, boutique de vêtements, elle est là. Elle est là-bas. Parce que j'ai 850 000 rubis avec les amiibo. Donc tant qu'à faire, ouais, j'ai 1400. Le masque furtif. Et il va me manquer 600, mais on va lui vendre de la merde. Ouais, Kanishi, qu'on sait, on sait. Faites-moi un truc. Ah bah voilà, vu que j'ai 70 coiffes du temps, par exemple,
Ah, tu cheats. T'es pas censé avoir ces objets. C'est dans le code du jeu, moi je m'en fous. C'est vrai, ils sont vraiment dans le code du jeu. Hein. Genre les... Là, il y a trois nouveaux amiibo Link qui sont sortis. Les fringues étaient déjà dans le jeu. Donc SVP, quoi. Puis on s'en fout, en vrai. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas. Et ok, c'est bon. Je prends ça du coup. C'est presque donné, ouais, presque. T'as bien fait de d'insister sur le presque. Alors. On pourrait tester d'abord d'aller ici, juste vite fait d'aller ici. Je crois que dans le coin il y a justement un souvenir. Et pour ça, il faut sauter. Ouais, je crois bien que c'est... Oh bah d'ailleurs, il y a ça aussi, la montagne, là. Il me faut un autre arc, vite. Ça, j'en ai plus que 3, quoi. Tout ça pour un Korogu tout pourri. Rouge, putain. Oh, une feuille, tu m'as trouvé. Alors que je sais même pas où il est leur pote. Je crois que là-bas il y a quelque chose. Là où il y a le rocher, vous voyez. Je crois bien. C'est là. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine... C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame,
Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Ah oui, mais tu sais bien que Link ne parle pas, Zelda. Ok, donc... Ah, chaque fois je vais me gourer. Donc, Cocorico. Cocorico. Impa! J'ai vu la vie, j'ai vu Zelda. Tout va bien. Oh. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je n'oublie. La tunique du prodige. Tunique ta mère. Seuls les cinq prodiges, reconnus autrefois pour leur valeur par la famille royale, pouvaient porter ce vêtement. Ils possèdent le pouvoir d'analyser à les capacités ennemies. Et ça, c'est cool. Les vêtements t'appartiennent. C'est la princesse qui me les a confiés. Bon, y a juste le t-shirt, hein, tant pis. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu étais reconnu comme l'un des prodiges. Prends son grand soin. C'est du mithril. Et du coup, on va équiper tout de suite cette tunique. Et mettre, voilà, la base, le pantalon élien, tout ça. Très bien. Putain, la porte qui se referme direct. Mais pourquoi? Faut lui reparler? Tu t'en souviens peut-être pas, mais tu t'es déjà mesuré à Ganon, oui, tu as perdu. Cette fois-ci, tu dois être parfaitement préparé. Les créatures divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Vous pouvez les contrôler, tous étaient terrassés par le fléau Ganon. Et Daruk, la tribu Goron. Oui, bon, ça on connaît. Oui, ça on connaît, merci. Ah, par contre, c'est pas bien le changement, les petits sautes de. D'image, j'espère que ça va pas déconner. Et merci. Merci Impa. Donc on va retourner à Elimis. Vite fait parce qu'elle voulait nous voir quand même. Prua. Après qu'on ait montré notre appareil photo à Impa. Prua. Coucou toi. Toi, t'as une tête à te poser plein de questions. Ah ouais, des trucs sympas, ouais. Oh, les bonnes questions. Tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai les modules de ta tablette. Je suis pas super génial quand même. J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer les détecteurs Sheikah. J'ai besoin de 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. Et j'ai besoin de 3 cœurs antiques pour améliorer le kinétis. Tu as tout compris, alors bouge-toi les fesses et ramène-moi des matériaux antiques. Et des matériaux en toc, ça passe? Allons-y. Oui, j'aime bien quel module. Les bombes. J'ai assez. J'aurais besoin de 3 arbres antiques. C'est parti. Mais tu n'as pas les mains. Ah oui, alors... C'est pas un zoom pour essayer de m'arnaquer. Bon, alors, le kinétis. Est-ce que j'ai assez? Des cœurs, ça m'étonnerait. Évidemment. Détecteur. Des vis, c'est bon. Oustiti, c'est parti mon kiki, donnons un petit boost à ton détecteur Sheikah. Les voyages de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Je suis tellement un rôdeur comme ça. C'est Aragorn quoi. Tablette Sheikah reconnue, processus d'amélioration du détecteur Sheikah initialisé. Elle finit par parler comme ça la tablette Sheikah. Oui bonjour Link, le héros du temps. Alors, il faudrait que tu ailles terrasser Ganon.
Le détecteur Sheka Plus, il est désormais possible de localiser toutes sortes d'éléments. Le détecteur réagit lorsque vous approchez de l'élément choisi, lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie pour s'y élément recherché. Et c'est super. Il fait 6 degrés. C'est marqué en bas à gauche. Et il est 20h20 à Hyrule. Et c'est super. Et voilà le travail. Bravo ma grande, tu as été très courageuse. Ça c'est une bonne pierre guide. Maman est fière de toi. Le détecteur Sheka Plus. Je veux absolument le voir. Bon bah dans ce cas, ce serait sympa si tu pouvais montrer ton détecteur Sheka. Bref. Oui, mon détecteur Sheka Plus, voilà, voilà. Oh, enfin tu comprendras vite à quel point il peut être pratique. D'après nos documents, il est capable de détecter les éléments dont tu possèdes une photographie. Je pourrais t'expliquer comment l'utiliser, mais je crois que rien ne vaut la pratique. Alors nous allons procéder à une petite expérience. Voyons voir. Pourrais-tu commencer par prendre la photo du champi piment qui pousse derrière le laboratoire? Ouais, bah ouais. Est-ce que je peux aller là? Ça sert à rien. Alors le champi piment. Paf! C'est bon. Oui? Tu as réussi à prendre une photographie? Oui, ça va, je sais prendre une photo quand même. Très bien, voyons ça. Parfait, tu as pris une bonne photo de ce champi piment, merci. Et bien maintenant, ouvre l'encyclopédie d'Hyrule et règle le détecteur sur le champi piment. Tu préférerais un petit mode d'emploi assez bien fourni sur le détecteur Sheka Plus. Tu le trouveras sur mon bureau, je te conseille vivement de le parcourir. Oh putain. Maintenant que tu possèdes la photographie du champi piment, tu veux-tu bien m'en amener trois? Je devrais pouvoir en trouver dans la forêt Prexessé, juste au nord d'ici. N'oublie pas de te servir du détecteur Sheka. Ouais. Ouais, on s'en fout. Alors, détecteur Sheka, Y, entrée répertoriée, le champi piment. Paf. Ah mon dieu, mais il y en avait-elle là? Ah, il m'a dit la forêt au nord d'ici. Hein. C'est une forêt, ça? Est-ce que c'est le nord? Oui, c'est le nord. Ah, cette forêt-là. Ouf, j'ai tellement failli crever. Eradimax. C'est quoi, ça, là? Ah non, c'est un champignon. Champignon silencio. Champi-piment. Ah, putain, c'est chiant, ça. Désolé, je m'arrête, mais c'est parce que mon écran, mon périphérique de capture, en fait, il freeze et mon écran, il devient noir. C'est un peu embêtant. C'est bon, j'ai les champis piments, on va en prendre un peu plus. Comme ça, si on veut se faire un ragoût de champi ou une connerie comme ça, on pourra. Ok, non, alors c'est moins, voilà, c'est moins pour le pour la map et c'est plus pour l'inventaire. Oui, bah c'est sur les manettes, depuis la Wii, sur les manettes, il y a plus Start et Select, il y a plus et moins. Mais ça correspond à Start et Select. D'ailleurs, sur la pad pro de la Wii U et sur le gamepad, il y a marqué Start en dessous de plus et Select en dessous de moins. Ils auraient pu juste marquer l'un des deux, quoi. Genre juste Start et Select. Mais bon.
Nintendo, hein, ils aiment bien se démarquer, ouais, tu vois. Voilà, au lieu de marquer Start, on va marquer Plus. Bonsoir. Tu m'as ramené les champignons piments. Veux-tu bien me donner les 3 champignons? Oui, bah oui, tiens, c'est pour toi que je les ai ramenés. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, les champignons, c'est pas trop ma cam. Hein. Moi, c'est ta récompense. 3 truffes max. Mais sérieusement. J'aimerais te parler d'autre chose. Viens me voir quand tu auras le temps d'en discuter. Oui? Hé, hey, Link! Je dispose d'informations qui doivent absolument parvenir à tes oreilles. Il m'est possible d'augmenter la quantité d'éléments que ton détecteur Sheka peut chercher et tout de suite. Eh bien, cela risque d'être difficile à croire, mais je vais t'expliquer. Les recherches ont démontré que la pierre guide que tu vois là cachait des photographies du passé. Il était possible de les extraire en les ajoutant à ton encyclopédie d'Hyrule. Voilà qui devrait grandement faciliter tes recherches et... Quoi ? Exactement, ça devrait grandement t'aider. En fait, tout a changé depuis que le détecteur Sheka a été amélioré. Il était désormais possible de les relier à l'encyclopédie d'Hyrule. Ainsi, tu pourras t'en servir pour qu'il cherche les objets dont tu possèdes les photographies. Et si tu extrais celle qu'a conservé la pierre guide, tu pourras les ajouter à ton encyclopédie. Et ainsi élargir le champ de recherche du détecteur. Cela devrait te permettre de trouver tout ce... Non, ça va aller. J'ai dit non ! Ah oui, s'il te plaît, pardon. Je croyais que j'avais dit non. Alors si tu veux bien, ok. J'aime pas trop laisser n'importe qui servir de mon adorable pierre guide gratuitement. Genre, j'ai tellement envie de savoir ce que ça va donner que pas besoin de payer. Ah bah merci, c'est seulement pour cette fois. Non hein. Oh, d'accord, veux-tu... Oui. Ah donc activer la pierre guide. Ah putain, mais... Oui, Stitty, ouais. Ah, ils sont relous. C'est vraiment tout? Non, c'est possible. C'est absolument pas possible, pas genre juste une citrouille, quoi. C'est incroyable. C'est comme si l'encyclopédie d'Hyrule retrouvait la mémoire. On dirait que les photographies de la pierre guide ont été définitivement déplacées vers l'encyclopédie d'Hyrule. Alors réfléchis-y à deux fois avant de les remplacer par tes propres photos. Bien, pour la suite, utilise l'appareil photo ou la pierre guide juste là. Tu vois, ça va falloir... Genre... Ça a tout l'air. Alors, Ah non, mais sérieusement, en fait, c'était juste une pauvre citrouille. Ouais, c'était une pauvre citrouille. Et c'est combien ? Bon, on s'en fout. On s'en fout. Et du coup, je peux l'effacer cette photo. C'est toujours dans l'encyclopédie? Oui. Ok, donc ça, on peut regarder la cinématique? On peut pas? Ah, c'est nul! Pardon. Bon, bah, moi je me casse. Je me casse et en plus, on va se quitter là. Parce que faut que je regarde déjà si mon périphérique de capture a bien enregistré. Et parce que de toute façon, après, on va se diriger vers chez les Auras. Parce qu'on avait dit qu'on commencerait par là. Et du coup, faudra qu'on parte. On partira. On partira de par là, on reprendra un cheval ici et... Et voilà, bah d'ailleurs je vais me TP direct.
Voilà. Voilà. Bon. Écoutez les gens, on va se quitter là. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bon, certainement d'ici quelques minutes. Hein. Y'a pas un arc là? Il y a une nuage de bûcherons, c'est bien aussi. Et donc on se retrouvera la prochaine fois pour aller du coup voir les auras. Donc je vous fais des bisous. Et des bisous. Allez, salut à tous.